J'ai découvert la biorésonance par des problèmes de santé que j'ai eus. J'ai eu donc la fibromyalgie pendant 35 ans. J'ai d'abord fait une médecine chinoise pendant 5 ans pour me traiter. Et ensuite, j'ai rencontré dans mes formations un praticien qui avait ramené une jeune médecin russe. Et c'est comme ça que j'ai connu les appareils. Étant ingénieur, j'ai voulu voir ce qui se passait à l'intérieur, donc ça paraît magique, mais c'est vraiment scientifique. Ces systèmes de scanner permettent d'analyser globalement 7000 items et on va pouvoir détecter avec les algorithmes, avec l'intelligence artificielle, la possibilité de voir quels sont les déséquilibres. Alors, moi j'ai choisi deux systèmes de biorésonance, un système LIFE qui est d'origine américaine et le QuantaScan qui est d'origine russe. Sur le marché, il existe beaucoup d'appareils, mais le LIFE, c'est le seul à avoir obtenu une certification médicale C2A avec un contrôle par la TÜV en Allemagne, mais on les vend comme appareils de wellness bien-être. Notre avenir, c'est de prouver que la biorésonance fonctionne pas uniquement avec des scanners comme ça, mais de le valider avec des tests cliniques en double aveugle, avec des médecins, avec des chercheurs en neurosciences, avec le CNRS, qui va permettre de valider et de pouvoir publier que ça fonctionne scientifiquement.